Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli sac. Donc, pour faire le fond, tout simplement, on va faire une maille chaînette, une petite maille chaînette, et on va monter tac 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 comme ça, de façon à ce que vous puissiez obtenir la grandeur du sac que vous voulez. Ce qui va être impératif, c'est que le nombre de rangs soit un multiple de 5. D'accord, puisque notre motif sera un multiple de 5. Ok, donc là on fait tout simplement une petite chaînette. Alors j'ai choisi un crochet en 3 et demi, comme je n'arrête pas de le répéter, je crochète un peu lâche en ce moment, donc en descendant le crochet ça rectifie le souci. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Est-ce que c'est une assez bonne largeur pour un petit sac, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être bon, non? On va mesurer. On va mesurer. Oui, encore une fois, pas de tuto. Je suis insupportable, je le sais. Mais que voulez-vous? Allez, 6 cm, c'est bon? Oui, c'est bon. On va dire que c'est bon. Maintenant que nous avons fait donc nos 10, on vient faire une 11e et dans la 10e ici on vient faire une maille serrée et on vient faire, donc ça c'est la première, 1 2 3 4 9 et 10. Alors, on va bien compter, hein. Faut pas se tromper que ce soit le nombre de rangs soit multiple de 5. Parce qu'après, on va repiquer dans ce sens pour récupérer les mailles. Et il nous faut des mailles multiples de 5. Ok, donc c'est parti pour une hauteur. Toc, 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 de sac comme vous le voudrez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aux alentours de quoi on serait raisonnable? Aux alentours vers 30, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien 30. Voilà, vers 30, du moment où vous arrivez à un multiple de rang par 5. Ok? Allez, à de suite. Ah, je dis à de suite, mais les petites nouvelles, on y va. Une fois qu'on a fini le rang, une maille en l'air, on tourne le travail et là, on repart. Vous voyez? À l'intérieur et on fait nos 10 et on fera exactement pareil au bout. Allez, c'est parti pour nos quasi 30 cm. Donc voilà, là je suis à 30 cm, mais vous voyez quand ça fait des traits comme ça, ici vous le voyez le trait, et là aussi, et ben ça c'est un paquet de 2 rangs. Donc j'en ai 49 là, je vais faire un dernier rang pour en faire 50, donc multiple effectivement de 5. Ok, allez, on se retrouve quand j'ai fini mes 10 mailles serrées. Donc voilà, maintenant j'ai 50 rangs, donc effectivement un multiple de 5. Je viens faire une maille en l'air. Là, je vais venir faire mes 10, mais uniquement par le brin arrière. Donc 10 mailles serrées par le brin arrière. Donc toutes les mailles, les 10 mailles prises uniquement par les brins arrière, comme ceci. Hein. C'est pour les distinguer des autres. Donc après avoir refait les 10 mailles ici, d'accord, en arrière, pour pas que ce soit confondu avec les 50 rangs, je vais venir recréer ici 50 mailles, bien évidemment. Alors, pour ça, bien écoutez, tout simplement, je vais venir piquer comme ceci et faire des mailles serrées. Donc, on va refaire les mailles en respectant, vous voyez, ici, on voit que c'est qu'un rang. Quand il y a deux traits comme ça, à l'intérieur, il y a deux rangs. Deux rangs. Donc chaque fois là, il va falloir sortir deux mailles serrées. Donc une et deux. Là pareil,
Il y a un trait et un trait. Ça veut dire qu'ici, là, il faut sortir deux mailles serrées. Donc ça, on le fait jusqu'à la fin de cette portion. Pas durant, puisque Laurent, ça serait faire le tour. Mais jusqu'ici, on fait tout le temps pareil. Dès qu'on a deux rangs à l'intérieur, là, on sort deux mailles serrées. D'accord? Allez, on se retrouve au bout. Nous sommes sur la 50e maille, hop, de ce côté. N'hésitez pas quand même à les compter, hein, pour être certaine que vous avez le bon nombre. Maintenant, on va venir passer au 10 ici. Alors là, vous voyez, ça va être compliqué de piquer en maille arrière, mais parce qu'il n'y a pas de maille arrière, parce que c'est le début. Mais néanmoins, on va se débrouiller quand même. On va venir piquer, bien écoute. Ici, on vient faire la première. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le fil contre afin de ne pas avoir à le rentrer après, hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc ici, nous avons 2, 3, vous voyez, je rentre le fil en même temps, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième. Et on va repiquer encore. Alors là, on peut couper, bien évidemment. C'est bon, c'est rentré. Et là, on va repiquer dans la même, puisque c'est la première de cette section-ci. Oula! Vous moquez pas, redites-le, vous allez voir. Ça fait un bon cours de diction de cette section. Je n'arrive pas, hein, à vous. Mettez-moi dans les commentaires si vous y êtes arrivé. C'est parti. La première, donc une. Mais on fait pareil que tout à l'heure, de l'autre côté. D'accord? Allez. Deux. Trois. Oups. 4. Allez, on se retrouve au bout des 50 et on aura fini notre rang. Donc voilà, une fois que nous avons fini notre rang, on se retrouve donc face au premier rang qu'on avait pris en maille arrière. Et là, on va venir tout simplement dans la première faire une maille coulée pour le joindre. On fait maintenant une maille en l'air et nous allons faire un rang tout simplement de mailles serrées. En vérifiant bien que nous avons bien toutes nos mailles multiples de 5. Donc nous devrions avoir 50 et 50, 100, plus 10, plus 10, 120 mailles. Si vous en manque, vous en rajoutez. Si vous en avez de trop, vous en retirez. Vous faites votre petite sauce, vous savez, vous avez l'habitude, hein, ici. C'est pas très formel, pas très académique, mais on fait avec ce qu'on a. Allez, à de suite. Arrivé donc en fin de rang, on va venir ici dans la première faire une maille coulée. À présent, nous faisons une maille en l'air. Et là, nous allons faire un point que j'avais fait déjà dans un autre sac un petit peu particulier. Donc, nous allons à présent faire le point qui va être la base et qui sera à reproduire un rang sur deux. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est on va venir faire une deuxième maille en l'air. Là, on va passer le doigt dessous, vous voyez, comme ceci, là dessous, et le doigt vient se positionner au bord, vous voyez, là il y a la pliure, voilà, on va appeler la pliure. Vous passez le crochet à l'intérieur de la boucle que vous avez formée, vous piquez dans la première maille et vous faites une maille serrée. D'accord? Comme ceci. Et on recommence. Vous soulevez le fil, vous passez le doigt, vous posez le doigt au bord, vous mettez le crochet à l'intérieur, dans ici la maille, vous faites votre maille serrée. Ok? Et on recommence. On passe le doigt, on attrape, on vient au bord pour que c'est la même grandeur, hein, en fait. Vous passez à l'intérieur de la boucle, dans la maille, et vous faites votre maille serrée. Ok? On recommence une dernière fois. On passe le doigt, on vient au bord,
comme ceci. Alors, on pousse un petit peu pour bien voir la boucle ici. Vous passez dans la maille et vous faites votre maille serrée. Alors là, ça paraît un petit peu fastidieux parce que on va doucement, on est en train de compter, de regarder. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ok, alors ça vous le faites sur la totalité. Ça sera, on va le travailler ensuite par petits paquets de 5. Donc c'est pour ça qu'on a fait 5, que ce soit divisible par 5. Ok, donc là normalement vous devriez en avoir 10 et ainsi de suite. On se retrouve donc à la fin du rang ici. À de suite. Arrivé en fin de rang, on va venir ici dans la première faire une maille coulée, une, deux mailles en l'air. Là, ce que nous allons faire, c'est on va venir faire une bride de soutien dans la même, d'accord, pour solidifier la chose. Une fois qu'on a notre bride de soutien, on va venir mettre sur le crochet 5 arceaux. Comment on appelle ça? Comment voulez-vous qu'on appelle ça? Allez, 5 arceaux qu'on a fait. Donc ici, nous en avons 2, 3, 4 et 5. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons recréer 5 mailles. Comme vous voyez, là, on n'a plus de mailles. Donc, on va devoir les recréer. Donc, on vient passer à travers ici, comme ceci. Et là, vous faites votre première maille. Vous repassez sous les 5. Vous voyez comme ceci? Vous récupérez votre fil là et vous refaites une maille. Donc là maintenant, vous en avez deux, une et deux. Vous repassez encore une fois dessous les 5. Vous récupérez le fil et ici, vous faites la troisième. Donc vous voyez, regardez, c'est en train de créer une, deux et trois. On recommence encore, on passe dessous les 5, on récupère le fil. Ici, on fait la quatrième, on passe sous les 5, on récupère le fil et là, on fait notre cinquième. Donc, on a bien refait nos 5 mailles d'en bas. D'accord? Une fois que nous avons nos 5, on va venir remettre les 5 arceaux, comme vous voulez, sur le crochet. Donc, une, deux, trois, 4 et 5. Voilà. Comme ceci. Et là, on fait exactement la même chose. On récupère le fil. On passe le fil comme ceci. Et là, on fait un jeté. OK? Ça, c'est la première. On repasse le fil sous les 5. Comme ceci. Un jeté. La deuxième. On repasse le fil sous les 5. On fait un jeté. La troisième, on repasse le fil sous les 5. On fait un jeté. La quatrième, on repasse le fil sous les 5. On refait un jeté. Et ici, nous avons notre cinquième. Ce qui fait qu'on a recréé nos 10 mailles correspondantes aux 10 mailles d'en bas. Ok, ben là maintenant, écoutez, on va faire exactement pareil sur la totalité de notre rang, puisque c'est des multiples de 5, donc ça va pas être bien compliqué. On va tout simplement venir chaque fois mettre 5 arceaux, 2, 3, 4 et 5 sur le crochet. On récupère le fil, on fait le jeté. On repasse dessous les 5, on récupère le fil, on fait le jeté, donc pour avoir la deuxième, ici la troisième, oups, la quatrième et la cinquième. D'accord? Bien, ça, nous allons le faire sur la totalité du rang et on se retrouve en fin de rang à de suite. Donc voilà, une fois que nous arrivons en fin de rang, on va venir, oui, vous avez vu, on a fait 5, attendez, je ne sais pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première ici, on fait, alors ça, c'est pas bien,
hop, on tire comme ça on perd pas la main. La maille n'est pas trop grande. Là, on fait donc la maille coulée. Ici, on fait une maille en l'air et on va recommencer le point que nous avons fait ici, c'est-à-dire qu'on passe le pouce, on vient le mettre, on attrape, voyez, notre motif comme ceci, on passe à travers et là on fait la maille serrée. Ceci est notre premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. D'accord? Alors, vous avez compris qu'on va recommencer ça sur la totalité du rang. Donc, des séries de 5 qui nous ont permis de faire ce motif. Après, on recommencera le rang qu'on vient de faire et on alterne comme ça jusqu'à obtenir, eh bien, écoutez, la hauteur que vous désirez. Généralement, moi, j'aime bien entre 24 et 27 cm. Ça dépend avec quoi je me sens à l'aise. Bon, là, vous voyez que quand même, la hauteur va aller assez rapidement. On a 2 cm. 2 cm comptés grossièrement 11-12 rangs. D'accord? Allez, on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini, pas réellement en fait, hein, vous allez voir, en majeure partie la hauteur du sac, j'en suis à 24 cm. Je voulais rajouter quelques centimètres, mais j'ai envie de changer de point. Pas réellement non plus. J'ai envie d'utiliser, vous savez, le point. Alors là, on fait en fin de rang. Alors, je vais vous donner, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je suis à 10 motifs, ce qui ferait à peu près 20 rangs. Et là, j'ai envie de faire uniquement 2 rangs de bouclettes pour donner un petit côté, comme si c'était de la paille, un petit côté estival, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas les travailler, ceux-là. Je vais tout simplement faire 2 rangs comme ça. Une maille dans une maille, mais en faisant donc les bouclettes, 2 voire 3 rangs, je ne sais pas encore. Là, je pars sur 2, je vous retrouve à la fin du deuxième, et je vous dirai si on veut, si personnellement, je considère que je vais en faire un troisième ou pas. D'accord? Allez, à de suite. Bon, voilà, là j'en suis au deuxième rang et je trouve que ça fait maigrichon, quoi. Donc, je pense que je vais partir pour un troisième. À vous de voir si vous avez envie d'en faire 3, 4, je ne sais pas. Donc, moi, dans tous les cas, je repars effectivement pour un troisième, voire un quatrième. Je vous dirai ça. Oups, 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 oups. Comme quoi, hein. Parler, faire les choses en même temps. Je vais voir au bout de celui-ci si je considère que ça fait assez fourni. J'espère que oui. Parce que là, je suis... il me reste... Voilà. Ça. Oups. De la deuxième pelote, ça m'embêterait d'en mettre une troisième. Quoique bon, ce fil, je l'utilise constamment. Donc, que ça fasse 2 ou 2 et demi, ça fera pas trop de différence. Ça fera de toute façon un sac à un prix hyper raisonnable. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous retrouve au bout du troisième ou du quatrième, selon ce que je trouve que ça... selon le rendu. À de suite. Bon, effectivement, troisième rang, je considère que ça suffit amplement. Donc là, je vais couper... Je vais faire un nœud, hop, et je vais rentrer le fil. Et après ça, je vous retrouve. À de suite. Alors, vous avez la possibilité, si les bouclettes ne vous plaisent pas, de venir les attraper et les couper, hein, pour en faire des fils. Ça, ce sera entièrement à vous de voir. Là, on va venir chercher
Alors, on va faire les anses et on les placera. Normalement, si vous avez fait le même nombre de points de rang que moi, vous avez 24 motifs. Comme ça. Vous voyez, ça vous en avez 24. Donc, 12 devant, 12 derrière. Il va vous falloir tout simplement déterminer, disons, 1, 2, 2, 2, 2. Attendez. 1, 2, 3. Si je le mets là, c'est trop. Au quatrième, et là. 1, 2, 3 au quatrième. Oh, je dis des choses et j'en fais d'autres. Donc, on a dit 1, 2, 3 au quatrième ici. Oui, ça peut le faire. Vous voyez, le quatrième ici, ça peut être le bon endroit pour venir positionner les anses. Ok, voilà. Bon, allez, on part sur les anses. Donc pour l'anse, j'ai décidé de faire quelque chose d'ajouré pour que ce soit cohérent avec le corps du sac. D'accord? Donc on va partir en faisant des grosses chaînettes, vous savez, toutes simples. Donc on fait une, deux, trois mailles en l'air. On prépare une double bride dans la première maille. Ici, on fait une double bride. Donc une, deux, deux et un jeté. Et on recommence. Une, deux mailles en l'air. On prépare une double bride à l'intérieur de l'anneau que nous avons créé. On fait notre double bride. Une et deux. Comme ceci. Et on recommence. Une, deux mailles en l'air. On prépare une double bride à l'intérieur ici. On fait donc notre double bride. Une et deux. Et comme ça, on va en faire 29. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve quand on a nos 29 gros anneaux. Une fois que nous avons fait la 29e, on va venir faire à l'intérieur du cercle ici une, deux et trois mailles serrées, mais pour toutes les suivantes, ce sera uniquement deux mailles serrées. Donc une, deux, ça va courber ce que nous sommes en train de faire, d'accord? Donc deux, on passe au suivant. Une, deux, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est en train de courber déjà. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, le fait que vous ayez fait deux mailles serrées dans chaque, ça a créé l'arrondi, voilà, de l'anse. D'accord? Alors ça, on va venir le coudre. Pour le coudre, on avait donc 12 motifs par face. On va venir dans la quatrième ici, pas dedans, hein, mais ça sera le repère. Et là, le quatrième ici, pour venir ici positionner l'anse. D'accord? Donc, là au bout, vous avez gardé le fil et là maintenant, vous allez venir mettre une aiguille. Une fois que l'aiguille est mise, vous allez donc effectivement compter vos 4. Donc 1, 2, 3, 4 motifs. Vous retournez. Vous faites bien attention que ce soit bien dans le bon sens, hein, c'est-à-dire l'incurvé vers l'intérieur, comme ceci, voyez. Et là, vous allez venir tout simplement. Alors, le quatrième est là. On le pose comme ceci, juste dessus. Vous voyez, il y a le trou là, donc vous le posez juste au milieu. Et là maintenant, ça, vous allez venir le coudre, donc tout autour.
Bon, ben, je vais vous laisser faire parce qu'il n'y a rien de bien sorcier. Vous voyez, vous cousez l'anse bien droite, bien dans l'axe du quatrième, donc sur la globalité. Pour passer de l'autre côté, ben, c'est pas compliqué. Vous allez venir piquer comme ceci au milieu. Vous passez en plein milieu, hop, et vous venez coudre les deux côtés de votre anse. Et vous faites donc pareil de l'autre côté au quatrième. Quatrième, quatrième, vous cousez comme ceci, voilà. Vous avez l'exemple là sur l'autre face. Quatrième, quatrième, vous cousez votre anse comme ceci et comme cela. D'accord? À de suite. Donc maintenant que les anses sont finies, on va venir faire la finition. Donc pour la finition, vous reprenez donc du fil, vous venez vous positionner sur un côté. Vous passez votre fil, le morceau de fil qui reste, vous allez le travailler pour le dissimuler. Là, vous faites donc une maille en l'air et une bride ici à l'intérieur. Donc, vous faites des brides tout en dissimulant le fil. Et ça, vous allez le faire jusqu'à rencontrer l'anse. D'accord. Allez, on se retrouve quand on est près de l'anse. À de suite. Donc voilà, une fois que vous êtes près de l'anse, vous faites la dernière maille ici et maintenant vous allez venir dans les arceaux de l'anse ici et vous faites trois mailles serrées, 2 et 3 par arceau que vous allez rencontrer. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on se retrouve au bout de l'anse, à de suite. Quand vous arrivez à la fin de l'anse, eh bien vous revenez sur l'ouvrage et vous repartez avec tout simplement de la maille serrée. Bien évidemment, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver sur l'autre anse. Eh bien, vous ferez exactement la même chose. Sur l'extérieur de l'anse, vous ferez 3 mailles serrées par arceau jusqu'à revenir en début de rang. On se retrouve donc en début de rang. Et bien voilà, une fois arrivé en fin de rang, bien évidemment, on coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Alors, à mon sens, le sac est à présent terminé. Bien évidemment, vous pouvez, alors premièrement, mettre un fond rigide. Alors, le laisser tel qu'il est, ne pas le doubler et mettre un fond rigide. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un fond rigide. Vous pouvez trouver ça sur la boutique d'Elodie. Ce sont des fonds en bois. Hop! Comme ceci. Moi je l'ai recouvert, je vous avais déjà montré ça dans dans la vidéo du sac cérémonie en noir. C'est du velours qui se colle sur le bois, d'accord? Donc vous pouvez le mettre au fond du sac hein, sans difficulté pour le rigidifier si vous voulez. Vous pouvez aussi faire comme le sac cérémonie. Je vous laisserai aller voir donc la fin de la vidéo du sac cérémonie où je vous propose de faire un fond amovible. Vous pouvez aussi tout simplement le doubler. Voilà. Vous le doublez. C'est à vous entièrement de faire des finitions. Hein. Moi, je vous propose la base et ensuite les finitions. C'est à vous de voir. Ok? Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Là, vous voyez qu'une partie du sac, vous le voyez absolument pas dans comment il est en entier, ni posé. C'est compliqué. Attends. Alors, voilà.
Hop, ça c'est fini, on coupe. Et voilà. Donc voilà, vous voyez, et oui, le problème est là, c'est que vous ne voyez pas ce que ça donne réellement. Il y a quand même de la rigidité, hein, du fait qu'on ait travaillé serré, ça a créé une rigidité. Bon, là, vous ne voyez pas, mais écoutez, moi j'ai vu ce sac comme un sac de plage, un sac sympa, un sac sans... J'avais pas envie de le rigidifier parce que c'est un sac, à mon sens, que on va quelque part, on peut le jeter par terre sans s'inquiéter de l'abîmer ou pas. Il passe à la machine. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.